salle comble. On a l'impression qu'on est dans une salle de cinéma. Ouais, bien sûr. Total. Bon, c'est un peu grrr ce matin, mais c'est pas bien grave. Bonjour mardi. Bonjour mercredi. Bon, allez, je vous remercie beaucoup. Vous êtes sur Canal 2 International, l'émission la plus magnétique de la zone Afrique centrale. Bah oui, je le dis parce que je sais de quoi je suis en train de parler. La seule qui donne aux personnes qui vivent aux États-Unis de pas dormir. Parce que quand nous on est à 10h, ils sont la nuit et ils sont obligés de regarder l'émission. Donc ils ne dorment pas, tel que vous nous voyez dans votre petit écran, c'est nous. Et nous sommes chez vous. Ça fera 90 minutes de pur bonheur. Allez quitter, partage de l'utile et l'agréable. Avec Dorette, juste à côté, bien sûr. Yeah, voilà, bonjour Dorette. Bonjour à toi Francis. Yem ta coiffure. Tous les jours, yem ta coiffure. Ah merci, c'est gentil. Oui, c'est, elle est jolie. Merci. Tu as bien dormi? Disons oui, j'ai la chance de me poser sur mes deux pieds et ceci gratuitement, dont je profite pour saluer tous ceux qui nous regardent en ce moment parce qu'il est déjà 10h et... 2K! Bonne fête à toutes. Voilà, bah, exactement. Agathe. Ouais. C'est la fête. Et uniquement eux, ouais. Bon, ok. Ce que je suis en train de faire là, dans quelques minutes là, je vais juste m'arrêter parce que c'est l'hymne national. Et on n'est pas là pour écouter l'hymne national pour l'instant. So, merci beaucoup. L'homme qui, d'après Moustique, n'est pas très... Enfin, je ne veux pas dire ça. Il n'a pas toutes ses cases en place. Oui. Enfin, ça, c'est selon Moustique. Ben Benjo Benjamin Benji de la Bic Info de Ben. Oui. On l'a raté au village. Alors, on a fait quoi? On l'a raté au village. Sinon, comment vous pouvez expliquer que quelqu'un soit sur un plateau de télé, une émission en direct, on est en train de nous regarder à la maison, mais lui, il nous écoute à la radio. C'est bizarre. Bon, on dit quoi? Il n'a rien à dire, je pense qu'il serait mieux de passer la parole à quelqu'un d'autre parce que Ben, non, il à se la prépare. Base, il se prépare quoi? Il faut être spontané. Quand c'est comme ça à la télé, quand tu es autodidacte, tu t'en sors pas. Faut être clair. Pas fait Zambo. Tu n'as rien à... N'appelle pas Zambo. Pourquoi tu appelles les témoins? Pas fait Zambo. Va droit au but, poème. C'est toi qui es le patron de cette émission. Et le monde entier nous regarde. Moi, monsieur, pas fait Zambo, il y a un patron. Je te rappelle que pas fait Zambo, au cas où tu l'aurais oublié, depuis lundi, Moustique n'est pas venu travailler. J'ai mes épreuves. Tu as tes épreuves. J'ai mes épreuves. Et quand quelqu'un a été absent, pas tes preuves, et absentéiste, quand il revient, il se fait tout petit. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ne se souvient pas qu'il a été absent depuis le début. Monsieur le réalisateur, Monsieur le réalisateur, il faut faire quelque chose. Il faut que tu saches. Je vous dis que Moustique, c'est le plus grand travailleur de cette émission. Moustique, c'est un gars vaillant. D'abord, vous savez que Moustique travaille très bien. Oui, mais là, tu changes. Monsieur le réalisateur, ce gars est un gars assidu au travail. C'est, oui, oui. Et que c'est d'abord mon meilleur petit frère. C'est mon meilleur petit frère. Oui, oui. Voilà. La force bon, vous-même, vous pouvez comprendre que Moustique, c'est un gars qu'il faut à tout prix. Ça va, ça va, ça va. C'est bon. Ça va. Ça va. Moustique ira loin. Il ira loin. Merci beaucoup. Monsieur le réalisateur. Voilà. Vraiment, il faut une promotion pour Moustique. Voilà. Une petite promotion pour Moustique. Et bien évidemment, elle viendra le plus tôt possible. Comme on dit généralement en anglais, very early. Earlier than how we deserve or how we are waiting for. Hey, Elia. La voici. Ça va? Comment ça va? You are very, you are sourire. Vous parlez pas comme ça. C'est pas l'anglais, c'est pas le français, c'est le jamaïcain. Ça va? Ça va. Ça va très bien. Ah, ça va. Tu as bien dormi? Bien dormi. Dis-moi, tu dors toujours avec tes lunettes? Je dors sans lunettes. Ah d'accord. Ouais. Ok. Ok. Ça va. Ben, je t'ai pas sonné. Je t'ai pas sonné. Ben, je t'ai pas sonné. Ben, je t'ai pas sonné. Ben, c'est par ici. Merci. Voilà. Je t'ai pas sonné. Merci beaucoup. Juste donc après notre très chère Elia, artiste musicienne, qui vient de Douala et qui vient nous présenter ce qu'elle nous a ramené dans ses valises. Face à elle, nous avons une Stéphanie Ndokmo. Susa. Que sont bonjour, ça va? Bonjour, ah, c'est moi. C'est N.A. C'est qui? C'est... Ça va? Ça va très bien, merci. Tu es sûr? Super. J'aime ta bonne humeur, j'aime ton regard, j'aime ton nez aquilin. Sa coiffure. Bien placé. Et moi, je t'aime. Sa peau. On ne lui a jamais dit ça, hein, sur un plateau. Je crois que je viens de rougir. Je crois que je viens de rougir. Pour la première fois. Oh, mesdames et messieurs. Oui, je déclare l'émission quelque chose va se faire véritablement terminée pour notre invité.
Non, ça va, je rigole. Non, je rigole. Moustique le charismatique. Comment tu vas, frère? Bah, je vais très bien. Je suis super content d'être là ce matin. Le billet de 10 000 de Moustique là. Même la présentation a été spéciale. Je suis super content d'être là ce matin pour notre deuxième sortie hebdomadaire de notre programme télévisé La Ville Haute. Pareil, vous savez très bien, le début c'est à 10h30 et l'arrivée c'est à 12h sur Canal 2 International de lundi à vendredi. Je suis passé sur le plateau, mesdames et messieurs. Je suis avec à la brigade d'antenne MK, Marcel Kuechi qui nous regarde depuis là-bas. Et à côté de moi, le brigadier le plus intelligent à l'envers de cette émission, qui a un talent brigadièrement supérieur à celui de Niang. On a dit, mesdames et messieurs, on a plus très fort pour Pinto l'Ivoirien. Bonjour Pinto. Bonjour Pinto. Bonjour à toute la communauté internationale. Bonjour Pinto. Bonjour à tous les habitants. Bonjour Pinto. Bonjour aussi à la communauté internationale. Bonjour Pinto. Le biais de Ten, tu vas tourner. Bonjour Pinto. Bonjour à tous les Pinto, voilà. Tu n'as pas encore bien vu. Hein. Les dos ne font que bonjour sortir, Pinto. Pinto. Bonjour à Dorette. Pinto, est-ce que tu regardes même bien? Commandant. Comment tu vas? Tu as bien dormi, Pinto? J'ai pas bien dormi. Et encore quelle enquête? L'enquête n'a pas été achevée hier, mais j'ai découvert quelque chose qui est quand même formidable. C'est quoi? Je vais parler aux femmes ce matin, aux femmes du monde entier. Ouais. Madame, vraiment, c'est un secret, mais je vous donne mon numéro après l'émission pour que vous m'envoyez mon agent. Tu as vu, les femmes sont toujours là. Elles voient Marie maigrir chaque matin. Chaque soir, Marie maigrit. Tu as vu, non? Elle croit que son mari est malade. Elle dit, chérie, il faut qu'on t'amène dans l'hôpital. On part, on voit rien. On dit c'est au village qu'on a fait ça. Madame, c'est parce que votre mari, je parle de femme. Oui. Vous applaudissez quoi? C'est parce que quand votre mari a enceinté quelqu'un, une fille dehors, la fille a dit qu'elle n'avait pas grossesse. Elle est maigrie. Je comprends tout maintenant. Quand vous voyez votre Pinto, mari. On ne tire pas à balle réelle. C'est balle blanche. Non, Pinto, je vais non, te dire, je vais te dire, dans le sport, il y a une seule chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de il n'y a pas de match amical de boxe. Oui, il n'y a pas. Donc quand le bonhomme va venir et qu'il se met on à tout boxer, vrai, ça, vrai. Non, ça sera de vrai. J'étais Pinto, bien. Il y a les hommes mariés dans ce studio et dans cette salle. Il y a à l'école. Et on ne tire pas à balle réelle. Voilà. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Pinto, regarde, va regarder si je suis au bureau. Si je suis au bureau, tu viens parler des choses des gens, des mariés ici comme ça facilement. Pinto, va regarder si je suis au bureau. Si je suis au bureau, tu me demandes de venir. Même si Moustique a fait ça, même si Moustique maigrit depuis quelques jours. Va au bureau. Tu viens pas dire ça ici. Va au bureau. Hein, tu viens pas parler des affaires de Moustique. Même si tu veux qu'on parle dedans. Même pas ça. Très bien. Bon, Pinto, quand on arrive à Texaco au Missport. Pourquoi Pinto vient trahir Moustique ici? Bon, ok. Ben. Ben, il faut dire Ben. Allô. Ben, faut prier, mets-toi en prière. Faut prier. Bon, tu sais ce que je vais commencer à faire dans l'émission? Ça va. Non. Non, non. Réponds d'abord. On vient de dire que oui. On vient de dire que oui. Que oui, non. Moustique, laisse. La prochaine fois, dès que tu blagues, tu viens te mettre à genoux sur le gars. Avec les mains sur la tête. J'avais les mains sur la tête. C'était non, un scotch. Ça, c'était à l'école primaire avant. Bon, il y avait un truc à l'école primaire, on nous disait généralement silence. Oh, pour l'aïe. Le diable passe. C'est ça qu'on disait. Bon, okay. Le gars faisait l'école primaire. Silence, oh, pour l'aïe. Écarté. Je connais pas la suite, mais silence, tout le monde. Il dit écarté. Silence. Le diable passe. Non, il ne passe pas. Juste une petite minute de silence parce que c'est le genre d'invité qu'on n'a généralement pas sur notre plateau. Et c'est un honneur pour nous. Vous voyez, mon expression faciale est très sérieuse parce que c'est pas... L'invité, nous même. Nous avons l'insigne honneur de recevoir ici Ronaldinho, Pelé, Mélanger. Ronaldo, Romario de Souza, Robinho, Kempes. Robinho. Roger Mila. Ronaldo. Et on a l'ancien honneur de recevoir. Niemann. Ciao, Niemann. Samba, de Janeiro. Pam. Avec son excellence. Et parle fort. Son excellence. Son excellence. L'ambassadrice. Ne regarde pas. Ouais, je ne regarde rien. Vivial Los. Tu vas y arriver. San Martin.
Ah. C'est son excellence, l'ambassadeur du Brésil. Hey yeah. Parfait, ça moins mauvais. J'aurais mis la veste. Bienvenue. Je peux faire la bise sinon. Sauf qu'il a une jupe. Bon. Moi, je suis pas sûr que je vais rapidement obtenir le visa, mais je négocie déjà. Hey. Voilà. C'est grave. Hein? Ah, yeah. Je viens d'obtenir le visa pour aller au Brésil. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Bonjour. Porter la veste. C'est un grand plaisir. Merci. C'est un très grand plaisir. Je ne sais même pas. J'ai l'impression, moi, je manque jamais de mots, mais là, j'en manque. Je suis sûr. On va parler avec vous rougir, hein. De la semaine du cinéma brésilien. Ah oui, voilà. Qui est rendu à sa quatrième édition. Et ça sera donc du 5 au 11 février 2019. Où? À Aubin. Et à Yaoundé. Et à Yaoundé. Obala, Yaoundé. Tout à l'heure, on nous dira exactement pourquoi qu'on a choisi Obala et Yaoundé. Je ne sais même pas si Obala a une salle de cinéma, mais bon, on va y arriver. Ce n'est pas bien grave. Dans notre espionnage avec notre caméra, on est allé sur le terrain pour voir un artiste très, très, très engagé qui était en train de tourner un clip. Généralement, les artistes engagés tournent des clips habillés en noir parce qu'ils sont toujours en train de dénoncer, mais là, il était en blanc. Il ne sait pas qu'on a attrapé ces images. On lui a même fait une interview. Il pensait que c'était pour une autre chaîne. Pourtant, c'était pour nous chez vous. On regarde. Il s'appelle Facette. Oui, la soirée a été organisée déjà par rapport à ce Marseille single qu'il y a dans les bacs depuis. Et ça fait déjà des tours et tout et tout. Bon, maintenant, dès qu'ils sont de là, présentés officiellement au public. Et maintenant, j'ai décidé de présenter ça un peu dans un endroit restreint. Avec des personnes de confiance, des personnes de fiables, pas au grand public, juste parce qu'il est important hein, que pour qu'un truc, pour qu'un produit comme celle-ci puisse voir le dehors, que la famille, ma famille à moi, mes amis, mes potes, mes proches, puissent venir déguster cela en famille pour pouvoir enfin de la mettre dehors, en fait, voilà, pour mieux la pour. Je suis très content parce que les gens ont répondu présent en blanc comme j'ai demandé. Donc la soirée est vraiment belle, comme vous pouvez constater, nous sommes en blanc. Et maintenant, comme il était aussi question de réaliser le vidéogramme, oui, du titre mariage, voilà, ça s'est bien passé, on a réalisé. Je pense que très peu, on va commencer à regarder ça dans les ondes aussi. Aïe. Merci beaucoup. Nous sommes toujours chez vous. CanadaInternational.net. Bon, alors, là, on va quand même essayer de vous dire que dans ce studio, nous avons une ambiance électrique qui règne, mais elle n'est pas tendue, elle est plutôt bon enfant. Et c'est grâce à nos trois associations qui ont pris sur elles de venir nous rendre visite. Et quand on traverse le pas de notre porte, c'est la joie assurée. Bien, nous avons le SEPCAM. Et il y en a d'autres qui ont des noms extrêmement difficiles à lire, c'est-à-dire que si vous lisez que des consonnes, du coup, ça devient un peu compliqué. Adjikpsgidoki, c'est très compliqué. On va dire ADPJC, voilà. Là, je sais pas trop. Bon, on peut mettre ASSO parce que ça fait quand même une petite phrase. Adjikpsgidoki. Bon, il y a une autre qui a carrément une bonne phrase. Be Patriot. Voilà. Ça va tout le monde? On est sûr? Vous ressemblez à des personnes qui n'ont pas pris le petit déjeuner. Ou que vous avez marché à pied, vous pouvez arriver ici, vous êtes fatigué. Ça va? Ça va! On commence donc notre émission avec le clip de Elia, tout de suite. Mary, ça je sais, je ne sais pas pourquoi ça te gêne. Bien que négresse que je sois, si ça t'énerve, tu...